Celui-là, c'est le grand chef, c'est le maire d'Oran. C'est celui qui a les clés de la ville. C'est le chef de Daïra, le directeur de la réglementation, le directeur de l'administration, mon chef de cabinet. C'est le directeur de tourisme de la Wilaya, la directrice de la culture, la directrice de l'environnement. Celui-là, c'est le patron du sport, c'est le directeur de toutes les infrastructures sportives, y compris le complexe Milo de Bruce. Voilà. Celui-là, c'est Massinissa, donc c'est lui la clé de la ville. Merci. Donc, c'est... On va vous accompagner. Allez, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Très bien. Très bien. Et vous? Ça va. Bien arrivé. Allez, fonctionnaire. Ça fait longtemps que je voulais venir. Parce que c'était vraiment, je ne sais pas, pour moi c'était une surprise tout d'abord. Ça faisait longtemps que je voulais venir, mais je n'avais pas le... Pas le temps. C'est important et j'ai dit tout à l'heure que tout le monde est content, tout le monde est satisfait de cette visite, y compris, donc, y compris les plus hauts responsables du pays. Ah, c'est gentil, merci. Tout le monde est content de cette visite. Hein. Donc, il y a un site historique, donc il n'est pas loin du palais d'Hubei, c'est ça. L'histoire. Non, mais c'est une ville qui est extraordinaire. Hein. Ça remonte à plus de 100 000 ans, le soir à nos jours. Elle est extraordinaire, elle est magnifique. Hafid Darraji, donc c'est bien sport. Il a dit que Real Madrid met l'âme, je me sens très bien. Donc Real Madrid ne joue pas bien à l'égal du final. Beaucoup d'infrastructures sportives aussi. Il y en a ceux qui ont été réalisés donc, à l'occasion de l'organisation des Jeux méditerranéens, tels que le complexe Milo Nedfi. Il y en a ceux qui ont été rénovés aussi, tels que le palais des sports à Mouboutélis, c'est une très jolie salle. Donc, tout d'abord, même le président Macron, quand il est venu la dernière fois, donc, il a rencontré. Donc,